tout le monde! Je complète ma playlist de vidéos consacrée à l'utilisation des dies, des matrices de découpe qui vont avec nos machines. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques idées pour utiliser de grands dies, des dies alphabet notamment. J'adore les dies alphabet, vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, je propose bien souvent des créations réalisées avec. Ici, c'est un nouveau set de dies que je viens d'avoir. Et je vais vous montrer un petit peu comment je prépare mes dies. Alors, j'utilise des feuilles magnétiques. Vous les trouverez, elles, et tout le reste du matériel utilisé dans cette vidéo, comme d'habitude, dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous conseille de bien découper toutes les petites aspérités qui pourraient rester sur vos dies quand vous les avez séparés les uns des autres, parce que ça peut marquer votre papier, et ça c'est dommage, on n'aurait pas un résultat vraiment parfait. J'ai sorti ma Big Shot, parce que même si ce sont de grandes lettres, je vais pouvoir utiliser ma machine de petite taille. Et comme vous avez pu le constater, ça découpe très très bien, je n'ai eu aucun souci, je pense que ça s'est vu dans la vidéo. Et donc je vais faire des petites découpes du mot « fall » qui signifie « automne ». Comme ça en fait, vous verrez pourquoi je vais utiliser ce mot-là. Ici c'est un simple exemple, je vous ai montré la découpe qui s'est très bien effectuée. Par contre, il y a une petite particularité à ces dies, c'est qu'on peut les embosser. Alors il vous faut un petit peu de matériel spécial. Il y a des façons de faire sans ce matériel, mais personnellement je trouve que les résultats ne sont jamais ceux attendus. Donc je me suis procuré ces petits tapis que vous retrouverez eux aussi dans la barre d'informations. Donc il s'agit d'un tapis en silicone et un autre tapis qui va venir appuyer. Et malheureusement, ce tapis noir, on ne peut pas le remplacer par une des deux plaques de la Big Shot. Il n'a pas la même épaisseur, donc évidemment, ça ne fonctionnera pas aussi bien. Parce que là, vraiment, quand on embosse ce genre de dies, ça donne des résultats mais vraiment, vraiment magnifiques. Pour mettre en valeur justement cet embossage, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des doigtiers mousse et utiliser des distress. Et je pense que si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu les vidéos que j'ai faites sur le dernier mini-album que je vous ai présenté, qu'il faut que je termine en vidéo d'ailleurs. D'ailleurs, il me reste pratiquement plus que la couverture à vous présenter. Effectivement, je vais placer ces découpes sur ma couverture. Voilà pourquoi j'ai décidé de rester dans la même cohérence de couleurs et que je vais donner un petit côté automne justement à ces découpes en plaçant les distress que je vous ai montré dessus, tout simplement. Et donc, bah, le voici justement, ce petit album, celui dont je vous ai parlé, mais je pense que si vous suivez mes vidéos, vous êtes déjà familier avec ça. Et donc, je vais placer mes lettres, alors pas exactement comme ça, on est bien d'accord, mais elles vont servir pour la couverture de mon album. D'ailleurs, j'ai très hâte de le terminer. Je vais vous donner une autre astuce pour vous servir de ce genre d'alphabet. Il faut dire qu'il est vraiment, vraiment très, très beau. Alors, si vous ne faites qu'une découpe, vous aurez une lettre tout à fait standard. Et si vous voulez avoir ces effets de bois, il faudra, comme je vous l'ai montré juste avant, passer par l'étape de l'embossage. Pour ma deuxième création, j'ai sorti cet outil qu'on trouvait passer un temps chez Action, qui a été allègrement copié sur une grande marque de scrap. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Mais c'est vrai que cet outil, il est vraiment très bien. Si vous ne l'avez pas trouvé dans votre Action, je vais vous mettre le lien pour vous procurer l'outil en question, l'outil officiel cette fois-ci. Ça permet d'être vraiment aligné le mieux possible, étant donné qu'on a quatre aimants qui vraiment fonctionnent très très bien et une règle magnétique. Donc comme ça, on peut vraiment être au cordeau. Vous avez vu, j'ai placé mes dies, donc je vais écrire le mot Hello, je pense que tout le monde avait compris. Et évidemment, on n'a qu'un seul L dans notre alphabet, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vais déjà effectuer mes premières découpes. Alors, j'aurais bien pris garde d'utiliser du masking tape et de faire en sorte qu'il ne colle pas trop, parce que sinon, j'allais déchirer mon papier. Ça m'est déjà arrivé avec des masking tape de chez Action. Donc, faites quand même attention de ce côté-là. N'hésitez pas à les coller et décoller un petit peu sur votre peau pour enlever un petit peu de leur pouvoir adhésif. Et ensuite, une fois que j'ai découpé les quatre premières lettres, je vais reprendre le L. Et comme j'avais laissé la place exacte pour le dernier L qui me manquait, et ben tout s'est très bien passé, j'ai refait ma découpe. Et ensuite, je vais redécouper un tout petit peu ce devant de carte parce qu'il me paraissait un petit peu grand et parce que, une fois de plus, je vais créer moi-même la base de carte.
J'ai pris un cardstock jaune. Alors, je vais vous dire, c'était un petit peu le défi parce que le jaune, c'est pas forcément une couleur avec laquelle je suis vraiment copine, on va dire. Mais je me dis que c'est bien aussi de se lancer des petits challenges comme ça. Et puis, c'est quand même une couleur très gaie et peut-être que ça va appeler un petit peu le soleil qui joue à l'intérimaire en ce moment. Un coup, il est là, un coup, il est pas là. Enfin bon, c'est un petit peu... Bon, bref, j'ai pris quelques mesures comme vous m'avez vu le faire. J'ai découpé la partie excédentaire avec mon grand massicot. Ensuite, j'ai utilisé l'outil à enveloppe qui me permet de pouvoir rainurer mon papier. Ce n'est pas obligatoire, on est bien d'accord, mais c'est quand même toujours des outils de précision qui nous aident un petit peu à gagner du temps. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de rhodoïde. Alors le rhodoïde, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une feuille de plastique, pas trop fine, pas trop épaisse. Donc je l'ai découpée, cette feuille de rhodoïde. Je vais en garder qu'une petite partie, bien que là en plus, je l'ai découpée un petit peu grande, cette partie, mais c'est pas très grave. Et ensuite, ce morceau que j'ai découpé, je vais venir le fixer grâce à du double face. Je vais utiliser celui de chez Craftelier, c'est mon grand chouchou. Non seulement il arrive en pack super économique, il coûte vraiment pas cher, on peut le découper à la main. Il est très adapté à notre scrap, vous l'avez compris, c'est un grand chouchou pour moi. Je vais en mettre tout autour du mot et puis, aidé toujours de mon outil 3 en 1, je vais retirer les pellicules de protection pour pouvoir déposer le bout de rhodoïde de plastique que j'ai découpé auparavant. Comme ça, je suis sûre que ça va très très bien tenir et regardez cet effet de propre, de net que ça donne. Moi, vraiment, j'adore. Même si on ne fait pas une shaker card, je trouve que ça donne vraiment toujours beaucoup de classe. J'ai sélectionné une chute de papier. Je voulais des couleurs qui soient douces. Alors, j'ai découpé cette chute de papier pour qu'elle recouvre le mot et l'eau. Et ensuite, je vais utiliser de la colle liquide. Pourquoi ? Parce que c'est très sympa le fait de pouvoir rectifier si on est parti un petit peu de traviole pour coller son papier. Bon, là, j'ai fait peut-être un petit peu de chichi pour le coller, ce papier, mais je voulais vraiment être sûre qu'il soit bien recouvert par mon devant de carte. Ensuite, je l'enlève, ce devant de carte, parce que lui, je ne vais pas le coller à plat. J'ai décidé de le mettre un petit peu en relief grâce à cette mousse adhésive qui arrive en rouleau. Elle est super pratique parce qu'on peut la redécouper. Et comme vous le voyez ici, j'avais besoin d'une bande qui soit vraiment, vraiment très, très fine. Donc ça, c'est bien le fait d'avoir un petit rouleau parce que comme ça, ça nous permet d'ajuster ce dont on a besoin. Donc je vais en mettre un petit peu de partout, je vais faire du recyclage parce que j'avais des petites chutes de cette mousse, donc ça me permet de pouvoir les passer. Et ensuite, je vais essayer d'être bien centrée pour coller mon devant de carte. Donc là, on se retrouve avec un résultat qui est très simple, vraiment, c'est la simplicité même. Alors on va déjà commencer à corser un petit peu la chose. Et pour ce faire, je vais utiliser du Glossy Accent. Alors pourquoi? Parce que le Glossy Accent, c'est également une colle. Je pense que beaucoup de monde est au courant. Et que si vous essayez de coller quelque chose sur une surface aussi lisse que du rhodoïde, c'est-à-dire sur une surface plastique, ça va vraiment être compliqué. Donc je vous conseille d'utiliser le Glossy Accent. Et ensuite, je vais utiliser une fleur que j'ai mise en couleur dans une vidéo précédente. Et cette fleur, elle est tellement belle que je l'avais de nouveau mise en couleur et je l'avais gardée de côté parce que je savais très bien que j'allais m'en servir. Et là, ça tombait très bien. Donc je vais l'utiliser sur mon devant de carte. Vous allez me dire que pour que ce soit quand même plus simple, j'aurais pu très bien faire mon tamponnage avant de faire ma découpe, c'est très vrai. Mais bon, écoutez, là, c'est pas trop tard. Et comme ça, mais ça vous donne cette petite astuce. Au cas où vous vouliez rajouter comme moi un élément sur un panneau, vous avez la possibilité de réutiliser votre die. Vous découpez à travers cet élément et on a vraiment, une fois que l'élément est posé, une fois qu'il est collé, on a vraiment cette impression de relief supplémentaire. Mais je trouve ça tellement joli. Vraiment, on a l'impression que c'est extrêmement travaillé alors que vous avez vu, pourtant, il ne faut pas énormément de matériel et énormément de temps pour créer une carte comme celle-ci.
J'aurais pu m'en arrêter là, vous pouvez très bien rester à cette étape-là de la création de la carte, mais comme je suis dans mon challenge jaune, j'ai décidé d'utiliser quelque chose que malheureusement je n'utilise pas assez. Ça dort au fond de mes tiroirs et ça c'est vraiment dommage. Alors j'ai ressorti mes Crystal Drops de la marque Nouveau et donc vous voyez, ça nous permet de faire des gouttes, mais alors vraiment parfaites. Ce que nous permet pas, désolé de vous le dire, mais c'est la vérité, les drops qu'on pouvait trouver chez Action. Personnellement, je n'ai jamais réussi à faire quelque chose de convenable, alors que là, eh bien, on a vraiment des résultats qui sont vraiment réussis à chaque fois. Donc je vous conseille quand même de démarrer sur un petit bout de brouillon. Une fois que vous avez bien pris le coup, les petites gouttes, ça vient vraiment tout seul, je vous assure. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Il faut vraiment que je pense à l'utiliser un petit peu plus souvent. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, elle vous aura donné également envie de sortir votre matériel, vous aussi, et puis de vous mettre à créer des cartes qui, vous le voyez, sont quand même assez simples, mais quand même efficaces. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.